À en croire les révélations d'une source proche des Sussex, Meghan serait profondément agacée par une décision prise par le prince Harry. Découvrez de quoi il s'agit. De l'eau dans le gaz. Depuis maintenant plusieurs semaines, les rumeurs de séparation entre Meghan et Harry ne cessent de prendre de l'ampleur. Alors qu'ils ont traversé de nombreuses crises dans leur couple, une source proche des principaux concernés a révélé un énième point de discorde. Dans une interview accordée aux médias UK, un intime de Meghan et Harry a révélé que le prince souhaite acheter une maison au Royaume-Uni afin de partager son temps entre sa terre natale et l'Amérique. Une décision qui agace son épouse. Il y a un désaccord entre le couple sur cette question, mais ils vont bientôt commencer à chercher leur propre propriété près de Londres et Harry est en grande partie à la tête de cette affaire, a révélé la source. Cette dernière a poursuivi. Harry ne demandera pas à son père, le roi Charles, une propriété sur le domaine royal, en raison du problème survenu avec Frogmore Cottage. Photo. Harry et Meghan Markle. Les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage. Meghan et Harry expulsés de Frogmore Cottage à la demande du roi Charles III. Le couple Sussex a rendu les clés de Frogmore Cottage, à Windsor. Désormais, c'est chez des amis ou à l'hôtel que le couple séjourne lorsqu'il se rend à Londres. Si la demeure royale leur avait été offerte comme cadeau de mariage par Elisabeth II, une fois arrivé sur le trône, Charles III leur a demandé de quitter les lieux. Une décision que les parents des Archie et Lily Bay auraient eu du mal à vivre à en croire les images de leur documentaire Harry Meghan, disponible sur Netflix. Bien plus qu'une maison, ce sont des souvenirs de famille que le couple a laissés derrière lui. Dans ses mémoires, le suppléant, le fils de Charles III, a écrit « Nous avons adoré cet endroit. Dès la première minute, c'était comme si nous étions destinés à y vivre. Nous étions impatients de nous réveiller le matin, de faire une longue promenade dans les jardins, de prendre des nouvelles des cygnes. Surtout le grincheux Steve. Une page qui se tourne. Zuma. Abaca.